Dites-moi, comte, sincèrement, y a-t-il une personne ici dont vous ayez déjà dit du bien? C'est un interrogatoire ou quoi? Voilà déjà 5 ans que nous vivons sous le même toit, vous et moi. Je dirais que la trame principale, c'est l'histoire d'un homme de 35 ans qui connaît des déboires professionnels et il connaît aussi des déboires amoureux, puisqu'il est marié depuis 5 ans et il n'aime plus sa femme, qui est très malade. J'étais riche, libre, relativement heureux. Maintenant, pique-assiette, parasite, non, bouffon, sans face ni masque. Je m'indigne, je crache mon mépris et ça fait rire tout le monde. Il vit non seulement avec les problèmes financiers, mais aussi avec sa culpabilité. C'est moche, hein. Je vous donne le cafard. Pardon, ma petite Sacha, mais je n'arrive à m'oublier une minute que quand je vous parle. Mon ami, auprès de vous, je suis comme un chien qui se chauffe au soleil. Alors ici, on a eu envie de jouer en bifrontal et au plus proche des gens pour les intégrer totalement dans le spectacle. Ils interagissent avec les acteurs. Je pense que c'est un peu une expérience qu'on propose. 5 500 que tu recevras après ton mariage. D'autant que ta mère, dans sa grande générosité, ne manquera pas de te les payer en coupon de l'an 40 ou en billets payables à la Saint-Perpète. Et pourquoi tu me dis ça? C'est sur ordre de ta mère. Oh, papa!